Ok, salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est sur Heroic Expedition les gars. Aujourd'hui, ça fait plaisir, on va enfin faire ce que je veux faire depuis peut-être une semaine. Mais j'avais pas les ressources, là j'ai tout ce qu'il faut les gars. Bon, t'as dû le voir sur la miniature, il y a des persos qui vont être augmentés. On va faire un beau tirage parce que là j'en ai plus de 100, on est d'accord, ouais, plus de 100. Donc normalement, on devrait avoir quelque chose de pas trop mal, j'en ai 162 en normal. Donc ça devrait être plutôt pas mal. En plus de ça, aujourd'hui, c'est pour ça que j'avais attendu aujourd'hui. Clac, le jour 5, j'ai eu mes 200 éclats d'artefacts. Ce qui veut dire que là, tu vois, pour ce monsieur-là, bim, directement, bon, on va le faire direct, hein. Au début de chaque tour, il redonne 15 points d'énergie aux alliés unis par le lien. Hop! Attends, mais pourquoi j'étais sûr que je pouvais le finir? Mais non, mais oh. J'en ai marre de fail. Attends, j'avais peut-être calculé dans le miroir. 750, non, bah non. Oh, je suis deg, mais non, sérieux. Bon, désolé, c'est le premier fail, hein. Ça commence très très bien. Je suis dégoûté. J'étais sûr d'arriver au 2000. En fait, non, c'était juste à 1000. Et je sais pas pourquoi je me suis dit, c'est bon, je vais arriver au 2000. Oh non, je suis dégoûté, les gars. Bon, après, c'est pas grave. C'est pas le plus gros truc de la vidéo, donc c'est pas trop grave. Mais ça aurait été cool d'arriver au 2000. Bon, bref, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est pas ça pour l'instant. Ce qui est important, c'est... Alors, normalement, hop. Non, on l'a pas là-dedans. On l'a dans le sac, normalement, voilà. Alors, ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ça, t'as dû le voir, on l'a gagné un petit peu cette semaine. Ça donne des éclats aléatoires, donc on va tout utiliser. Voilà. Alors attends, ces éclats, ils me servent à quoi? Éclats de lutin utilisés pour activer et améliorer les lutins. Ah, par contre, ils se trouvent où ces trucs-là? Moi, je veux bien améliorer un lutin, mais... Ah, peut-être qu'il va en avoir 50. Et là, du coup, j'en ai que 46 sur lui. On va d'accord que je peux rien en faire. Ou alors, je vais trouver ça tout à l'heure. Il y a peut-être une mise à jour que j'ai pas vue, en fait. C'est peut-être même possible. Bon, ça, je trouverais, c'est pas trop grave. Donc, alors attends. Là, dans le sac, on a. Ah, il y a ça aussi, j'avais zappé. Et oui, attends. Bon, ça, on en aura besoin pour la suite. Ou pas, on verra. Là, déjà, voilà, ça sort directement la Margaret. Ok, il nous en manquait une. Là, on sort les deux ici. Ok aussi. Je vais sortir ma foot de mon côté, comme ça, hop, on va se faire des persos. Alors, avec tout ça, là, déjà, voilà. Déjà, la Margaret peut être créée. Donc ça, ça va nous faciliter la vie normalement. Hop, voilà, on finit de faire ça. Ok, nickel. Regarde ce qu'on peut faire. Voilà, on l'attendait la dernière fois. Et donc là, on passe notre Margaret. Du coup, 10 étoiles. Hop, voilà. Donc, normalement, ça devrait faire un peu plus mal. On peut voir que là, les stats sont un peu augmentées. Ok, nickel. Donc là, par contre, il faut quoi maintenant pour la faire passer au niveau supérieur? Ah bah, elle est même plus là-dedans. Attends, clac. On la monte en niveau. Bon, j'imagine que là, ça va jusqu'à 200. Ok. Et là, pour la éveiller, on fait quoi? Ok, il la faut juste deux fois. Enfin, il la faut 5 étoiles en tout cas, donc 2, 4 étoiles. Ok. Et là, par contre, j'avoue, 44% d'attaque, 36% de PV, c'est énorme. Hein. Donc là, je pense que ça va être vraiment un gros up là, de l'avoir comme ça. Bon, là, c'est déjà un petit up tranquille, donc c'est cool. Et là, ce que j'avais vu, en fait, c'est qu'il me manque exactement pareil pour la Sylvia. Et comme tu peux voir, hop, on en a une 5 étoiles et une 4 étoiles. Et vu que j'avais le petit coffre ici dans le sac, je me suis dit que je pouvais aller l'acheter. Maintenant, là, on va faire un tirage. Après, tu peux voir que là, on en a 10 ici. Et 3 ouvertures en plus pour les bleus, donc pour essayer de l'avoir. Pareil, là, on pourrait avoir une Margaret ici. En vrai, là, si j'ai une Margaret sur le prochain, je pense qu'il y a de grandes chances que je prenne Margaret. Quoique, je sais pas. Margaret, c'est vrai qu'on peut l'avoir quand même rapidement. Question de semaine, là, Margaret, je peux l'avoir facilement. Donc, ouais, non, on ne prendrait pas Margaret dans le coffre là, même si ça ferait un gros up directement. Mais je pense que ça serait un petit peu dommage. Enfin, on verra. Et attends, il n'y avait pas un autre truc que je pouvais faire aussi? Parce que lui, ouais, c'est vrai que lui, il faudrait que je le monte. Hein. Parce qu'il ne me servira pas en foot dans tous les cas. Je vais le monter parce qu'il est vraiment fort. Et après, on l'a encore une fois, 4 étoiles. Ouais, bon, on va attendre. On va le monter tranquillement 140. Voilà. Et là, au niveau de la campagne, parce que je te l'ai pas dit, on est monté un petit peu. On est maintenant au... Alors, en normal, hein, on est au 4-15. Par contre, là, je suis bloqué. Alors, je suis bloqué. J'étais bloqué avant d'avoir fait l'évolution sur la Margaret. J'étais pas bloqué vraiment... Enfin, pas de beaucoup. Si, quand même. Il me manquait un peu de dégâts et de l'HP parce que j'arrivais pas à survivre. Peut-être que là, en faisant un peu plus de dégâts, elle pourra clean le boss direct. Je sais pas. Ouais, là, il est bien entamé. Hein. Si elle meurt pas, ça de... Bon. Ça va. Nickel. Bon, là, tu vois, j'ai eu un beau web parce que là, ce truc-là, je l'avais essayé au moins 20 fois d'affilée. Et ça passait pas. Et là, c'est bizarre parce que j'ai pas l'impression qu'au début, elle a fait le taf. Mais après, elle a dû faire pas mal de dégâts. Parce que c'est passé, donc écoute, bah nickel. Donc là, je vais avancer un petit peu de mon côté. Et je vais essayer de me bloquer. Bon, au final, les gars, j'avance assez bien quand je bloque. Alors, j'ai où cette compo-là? Avec la Margaret devant, mais là... Alors, c'est pas passé tout à l'heure, je pense que ça a pas passé. Bon, ça repasse, c'est bon. Où cette compo-là, donc avec la Margaret devant. Ou, généralement, hop, je fais ça... Pour mettre la Sylvia devant et la Margaret en second si je me prends trop des dégâts violents devant. Voilà, tu vois que là, c'est fait une défaite. On va essayer de mettre la Margaret devant pour voir si ça change quelque chose ou pas. Ok, bah tu vois, ça a changé quelque chose. Et si vraiment j'arrive pas, on met le Auguste. Et généralement, pour l'instant, c'est des compos qui passent. Juste que je suis obligé, tu vois, d'alterner. Hop là, là, normalement, ça devrait passer.
Sinon, tant pis, ça me laissera te montrer celle avec le Auguste. Ok, bah du coup, on va la voir. Alors, après, il faudrait répéter plusieurs fois. Attends, là, j'ai juste pas eu de chance, en fait. Je me suis pris des contrôles ou quoi. Hop, on fait ça. La Margaret derrière. Et jusqu'à présent, bon là, ça va me faire mentir, ça. Voilà, bon, ça va. C'est la victoire. Mais voilà, avec ces trois compos-là, en vrai, je bloque quasiment pas. Juste que c'est un peu embêtant parce qu'il faut changer à chaque fois, du coup. C'est bon, on est arrivé, les gars. Arrivé aux 50. Donc là, par contre, je promets rien. À mon avis, ça va être compliqué. Mais c'est pas grave parce qu'on va faire notre tirage de perso. Donc à partir de là, on verra. On essaiera d'avoir potentiellement des évolutions. J'en sais rien. Ouh, la Margaret. Heureusement qu'elle a la version ulti là, parce que sinon, elle aurait pris très très cher. Ok, nickel. Elle est full life. Bon, ça, c'est nickel. Hein. Ouh, j'ai tout le monde là. Ah, c'est un perso haut. Dommage pour Margaret. Parce que du coup, elle va prendre un peu plus cher que les autres. Et elle lui fera pas forcément plus mal. Ah, oh, elle a pas fait son ulti. Donc, je peux pas la mettre devant. Je peux pas la mettre devant. Ou alors, il faut que dans mon équipe, j'ai Auguste qui répartisse un peu les dégâts. Ce qui est dommage, là, c'est que je peux pas passer. Après, ouais, non, je suis mort, là. J'aurais pas assez de heal pour que la Sylvia, elle résiste. Bon, c'est pas grave, je repasse. Bon, on a recommencé, on arrive sur le boss. On a juste perdu notre heal. On a l'Auguste. Alors, par contre, l'Auguste, ouais, faut au prochain tour il fasse son ulti parce que sinon je suis dans... Ça va, je pensais qu'il allait mourir. Ok, donc là, on va avoir normalement une répartition des dégâts. Elle a repris un petit peu de vie. Et ça risque d'être chaud. Hein. Oh non, c'est très très chaud là, tant pis. Bon, j'arriverai pas. Ok, c'est pas grave. On va faire là, bah écoute, nos persos. Alors, on va commencer comme d'habitude par les 170 parchemins normaux. Enfin, c'est pas des parchemins, mais tu m'as compris. Attends, ça c'est la gratuite. Peut-être qu'avec un peu de chance, hop, non, on va mettre la montre directement. Voilà, avant toute chose. Ok, là, déjà, on n'est pas trop mal. Allez, on s'échauffe avec ça, les gars. Et, bon, dans tous les cas, ça fera pas mal de food. Faudrait que j'évolue un petit peu certains persos, là, parce que, justement, je veux garder beaucoup de food pour essayer d'avoir, enfin, d'augmenter mon équipe principale. Mais, il y a quand même d'autres persos à évoluer. Tu peux pas que évoluer une seule équipe. On essaiera d'augmenter aussi d'autres persos qui sont à côté. On verra. Ça dépend de la foot que j'arrive à avoir. Ça serait cool d'avoir là un petit perso qui pourrait me servir. Allez, on perd pas espoir. Mais que ce soit assez difficile là-dedans. Mais un perso épique peut arriver à tout moment. Pourquoi pas. Là, en vrai, on a la 170. Si on a la peur en 170, ça serait ouf quand même. Hein. La dernière fois, je sais qu'on était arrivé à un certain exploit. Hein, avec, je sais plus combien j'en avais lancé, mais 100K, 150. Enfin, pas loin de 170 en vrai. Hein. Et j'avais rien eu, donc pourquoi pas. Là, je me dis qu'avec un peu de chance, quand même, ça serait ouf de rien avoir. Donc, ok. Même si j'en ai un, je suis content, moi. Allez. S'il te plaît, un petit truc sympa. Non. Il en reste 92. Hein. Bah, du coup, 90. Allez. Bon, là, en vrai, ça ferait sans qu'on le lance. Donc, pour l'instant, la stat n'est pas respectée. Hein. On n'a pas eu de chance, parce que la stat est pas ouf. Hein. On est à 1% hein, pour les 4 étoiles, donc 1% c'est pas énorme. Mais ça serait cool, c'est de les avoir obligatoirement, quoi. Hein. Ah, voilà, bon. On est tombé sur Dora, c'est peut-être pas celle qu'on voulait, mais déjà on a eu quelque chose, c'est déjà très très bien. Nickel. Ça servira de foot, ça servira pour je ne sais quoi, mais au moins c'est toujours ça. Donc allez, normalement là, dans les 50, on n'aurait plus rien avoir, je pense. À moins qu'on ait un peu de chance, et dans ce cas-là, très bien, je dis pas non. Mais allez, on va essayer de passer ça vite, par contre, parce que pour le reste... Il y a moyen que j'ai quelque chose. Hein. Donc allez, hop, nickel. Il m'en reste 32 à faire. J'active. Voilà. Allez, encore une fois. Ok. Et la dernière. Celle-là, je laisse, parce qu'on sait jamais. Ok, très bien. Encore de la fois. Alors, je me fais directement de la place. Ah bah, tu vois, on a pu la passer 5 étoiles, donc elle va pouvoir me servir. Parce que après là, moi, pour les persos style comme ça, j'ai plus besoin de food. Là, ça sera que de la Sylvia qu'il va me falloir pour l'augmenter. Donc là, tu vois, on pourrait commencer à monter notre Veza, notre Erika, ça pourrait être cool. Bon, on pourra pas aller trop loin, hein, mais bon, ça serait pas mal. Donc ok, ça, on verra ça à la fin. D'abord... On regarde ce qu'on a là-dedans. Donc allez les gars, c'est parti, c'est là que la vidéo commence, c'est là où il faut avoir un petit peu de chance. S'il te plaît le jeu, donne-moi des bons persos, donne-moi de la Margaret, donne-moi de la Sylvia ou autre perso qui pourrait me servir. Allez, on a lancé 10, il nous en reste 90 à lancer les gars.
En 100 lancés, je suis obligé d'avoir quelque chose de cool. Bon, là déjà, on a un truc, hein. Allez. C'est pas vraiment ce que j'espérais. Après, elle fait partie peut-être des persos que j'aimerais bien monter par la suite. Donc, à voir. Mais pour l'instant, clairement, c'est pas ce que je voulais. Donc là, ok, on a de la food. Très bien. Allez, s'il te plaît, un bon truc. Allez, allez, allez. Oh! Olivier, Olivier, qu'est-ce qu'on va faire de toi? J'ai pas eu de retour sur ces persos-là, s'ils sont forts ou pas. Je les ai pas plus vus que ça dans des équipes épées des gens. J'ai pas l'impression que ce soit si ouf que ça. Donc, on va bien les éviter, ceux-là, encore une fois. Et je crois même qu'on en a mis en food. Alors, je sais plus si lui, on l'a déjà mis en food, mais on l'a déjà mis en food. Donc, bon. Là, en avoir un de plus, ça me servira pas vraiment. Là, normalement, on a quelque chose. Voilà. Allez, s'il te plaît, un bon truc, là, parce que Olivier, tout ça... Oh là là là. Non, Nicole, c'est pas vraiment ce que j'espérais, là. Hein. Il nous en reste 37, déjà. Ça va trop vite, hein. C'est ouf, hein. Ça, ça s'ouvre vraiment vite, hein. J'ai l'impression d'avoir un truc de ouf à ouvrir. Bon, il y en a pas mal de persos, en vrai, hein. Mais pour l'instant, on n'a rien eu. Allez, j'espère que là, on n'aura pas de la foot. Comme ça, on aura encore un peu de chance après pour avoir un truc... Ouh! Là, j'ai mon truc. Là, on en a pas mal à ouvrir. Parfait. Pas grave. Allez, on passe. Mouais. C'est pas ouf, ça. Ah oui, c'est vrai qu'il avait un autre troisième, j'avais pas vu. Bon, bah, le pire truc, hein. Dommage. Et la dernière. Allez, on y croit. Si on a un petit truc là, ça pourrait... être cool, non. Ok, de la food. Bon. Là, on en a combien à ouvrir? On en a qu'un seul. Avec un peu de chance. Oh. Dommage pour l'Erika. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on peut se faire avec tout ça? Alors, j'ai l'impression... Ouais. Pas grand-chose. Hein. C'est dommage. Ok. Mais bon, rien n'est vraiment fini. Puisque dans le sac, comme tu l'as vu, on avait beaucoup de trucs. Là, on a 20 persos à ouvrir. Donc là, logiquement, on devrait avoir quelque chose. Allez, c'est parti. Bon, par contre, il faut très vite que ça passe. Je veux pas des trucs comme ça. Allez. Ah... Bon, elle, du coup, on pourra la monter, parce qu'elle a le nombre de fois qu'on l'a. Allez, s'il te plaît, un bon truc. Oh là là, mais pourquoi ils nous suivent, eux? Mais ils ont quoi? C'est ouf, ça, hein? Oh, pas tellement ce que je veux, là, hein. Allez, s'il te plaît, un bon truc. Pas lui, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Il m'en reste 5. Allez, j'ai moyen d'avoir un seul truc cool. J'en demande pas 40. Ok, Olaf, il est cool. Mais Olaf, j'en ai peut-être pas. Ou à la limite, un seul et encore. Donc, ça va pas me servir vraiment. Oh là là. C'est chaud, hein. Me dis pas que je vais pas avoir une Sylvia ou une Margaret, par pitié. Me dis pas que je vais rien avoir. Oh là là, je vais rien avoir. Hein. Oh, c'est ouf, hein. Bon, allez. La Sylvia, là, maintenant, c'est là où ça se... Oh. Barea, très bien. Oh, le doublé. Le doublé, il me suit, on ne sait pas pourquoi. Oh, j'ai rien eu, la tristesse. Bon, là, j'ai deux ouvertures. En vrai, là, si j'ai une Margaret, ça change totalement la donne parce que je la monte direct, j'attends même pas. Donc. Allez. Dernière. Oh. Non, mais lui, toute la game, il va me la faire ou quoi, là? Sérieux. Oh, le pire truc. Bon, eh ben, on est content, hein. On est vraiment content. Le Karl. Bon, là, j'attends rien vraiment. Enfin, si, quoi que j'attends rien. Si, il y avait des Augustes et tout, tout aurait pu me faire plaisir. Mais malheureusement, on n'a pas eu ça. Là, pareil, hein. Ok, Hercule, je sais qu'il est pas dégueu, donc ça pourrait être sympa. Et ensuite, le Jacob qui me sert à rien. Enfin, je dis qu'il me sert à rien parce que je l'ai pas monté, mais à force d'en avoir, je vais les monter, ça va me servir. Lui, j'aime pas trop. Et le dernier... Oh là 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 là. C'est triste, hein. Et on a tout ouvert, on est content, hein. Là, on est vraiment content, hein. Bon, eh ben écoute, on n'aura pas eu grand-chose. Pour ne pas dire rien qui pourrait nous intéresser vraiment. De mémoire, c'est lequel perso que j'ai eu qui était pas trop mal, là, par contre? C'est dans les Dark et... Ah, je l'ai qu'une fois. Ah ouais, non, ça me sert tellement à rien. Donc déjà, lui, on va faire ça. Voilà, il sera un peu meilleur. Ici, on peut faire quoi? Bah écoute, pas grand-chose, hein. Quoique là, lui, le Musashi, je peux le monter. Elle, ah, elle aussi, hein, la Michelle, elle était pas dégueu, en vrai. Hein. Alors, au niveau, elle est forte. Après, là, moi, où j'en suis, je trouve qu'elle sert pas vraiment. Lui, en vrai, il en manque qu'un seul, mais je galère à l'avoir, hein. Et là, je vais pas l'acheter d'aussitôt, hein. Je vais continuer avec ma Margaret, hein. Donc ouais, je sais pas. Je pense qu'au pire, on réinitialise un héros, c'est pas très grave. Je vais essayer de le faire. Vu que l'Auguste, on va mettre en stand-by pour l'instant. On va monter le Musashi. Ouh, elle, c'est vrai qu'elle pourrait être cool. Hein. À voir. Hop, on le monte comme ça. Ok. Et les trois suivants.
Oula. Donc on va s'arrêter là pour les augmentations parce que là le Musashi, le truc c'est que j'ai pas envie d'utiliser, enfin de faire ça en gros. Je vais me garder le genre de panda et le Jacob pour faire d'autres évolutions. On n'est pas à ça après, c'est pas ça dans tous les cas qui va me changer mon équipe, donc j'ai le temps. On va juste augmenter tout ce qu'on a fait là. Hop, 160. Bon déjà il devrait être un peu plus fort normalement. On va augmenter le Alex parce que hop, 180, c'est pas rien. Bon, est-ce que on a pu augmenter nos dégâts? Je sais pas. Si on regarde le boss, bon du coup là, si on met lui, c'est un peu dommage. Il faudrait mettre lui. Non, si je mets lui, c'est chaud. Hein. On va essayer de faire ça. On va voir. On teste juste une fois. On voit si ça a changé quelque chose ou pas. Normalement, non. Enfin, normalement, non. Ça aurait pas dû changer vraiment, vraiment grand chose, mais je sais pas. À voir si le peu de dégâts en plus que va faire Musashi, ça va faire le taf ou pas. Bon, là, pour l'instant, c'est normal que oui. Faudrait pas... Ah, on s'en va. Je suis sûr qu'elle va avoir des ultis qui allaient être utilisés pour rien, là. Nickel. Voilà, ok. L'ulti est utilisé sur lui, c'est très bien. La Margaret, malheureusement, qui n'avait pas chargé son ulti, donc du coup, il faudra attendre un round en plus. Ça, c'est dommage. Oh, elle se fait one shot. Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, bah tant pis. A few moments later. Allez, on y croit. Ça fait 4 fois que j'essaie d'affiler, les gars, j'en peux plus. Est-ce que cette fois ça va marcher? J'espère que oui. Il faudrait juste un petit peu de chance de mon côté en fait. À chaque fois ça passe à ça parce que Margaret elle arrive pas à ulti. Il la tue juste avant. Elle a son ulti et elle peut pas le faire. Là tu vois. Faut... Oui, il va la tuer avant. C'est pas possible. Hein. En tout cas, elle aurait ulti, ça aurait changé le truc. Hein. Elle serait mis de la vie donc elle serait pas morte au prochain round. Donc elle aurait pu encore faire des auto-attaques. Donc il aurait pu encore l'attaquer. Elle aurait pu encore faire une brûlure. Même ça fait même d'autres cibles pour lui. Il aurait ulti une autre perso. Il lui manque pas grand chose. Il faut juste un peu plus de vie là. On va essayer d'augmenter un petit peu. Allez, on va faire ça. Attends, et si là, on essaie d'affiner son truc là. Là, du blocage et du courage. Clairement, il y a moyen qu'elle fasse mieux. Si on fait affiner là. Ah, déjà, attaque plus 1%. On va sauvegarder. Après, c'est pas ouf 1%. Hein. J'en fais un second coup pour être sûr. Dégâts critiques 2%, PV 1%. Là, on garde attaque. Est-ce qu'en haut, on pourrait avoir un autre truc ou pas? Courage. J'ai encore courage. C'est un peu abusé. Dégâts critiques. Alors, on va sauvegarder ça. On a mis des dégâts critiques et de l'attaque. Donc, elle devrait faire à peine plus mal. One eternity later. Bon, bon, bon. Écoute, ça fait la 20e fois que j'essaye et ça ne marche pas. Je suis bloqué. J'ai tout essayé. Bon, la Michelle, faut la mettre devant. C'est la Michelle, moi. La Margaret, pardon, faut la mettre devant. C'est obligatoire. Et après, je fais tourner un peu tout le monde. Là, j'essaie de mettre Michelle en bas à gauche pour qu'elle se prenne aucun dégât, qu'elle gaspille pas son passif et que quand ça arrive à son tour, elle puisse faire apparaître les persos. Mais ça va être compliqué. Oh, j'ai fait un ulti que je fais jamais là. Tu vois l'ulti que j'ai fait avec Margaret là? Je le fais rarement. Hein. J'ai gagné. J'ai gagné. Cet ulti-là, je le faisais jamais, les gars. Parfait. Oh, ça fait plaisir. Bah, tu vois, Margaret, elle a mis tous les dégâts. Bon, on est arrivé au moins à finir le boss. C'est déjà ça. Là, on a le chapitre 5 qui s'ouvre à nous. Donc directement, bim, ça me fait gagner normalement, hop, là, des loots. Ok, nickel. Bon, on s'est au moins débloqué sur ça, vu que là, pour tout ce qui est invoque et tout, c'était pas ouf. Hein. Clairement, on n'a rien eu. Dommage, parce qu'on a ouvert pas mal de trucs, en vrai. Mais la chance n'a pas été avec moi, c'est pas grave. Là, il faut que je finisse assez vite. Enfin, assez vite, j'essaierai de faire ce que je peux pour finir le chapitre 5, parce que là, tu vois, pour augmenter mon camp, il faut que je termine le 5,50. Donc, ce qui me permettrait d'avoir le niveau 9, et le niveau 9, on aurait... voilà, là... Alors, je sais pas encore ce que ça va être, mais j'imagine... Oh, attends, est-ce que c'est les mêmes? Non, ça n'a pas l'air d'être les mêmes. Parce que là, tu vois, il y a épique. Là, maintenant, on est sur légendaire. Donc, logiquement, j'aurai des meilleurs persos. Donc, ça devrait être cool. Donc, allez, les gars, on s'arrête ici. On a eu notre petite évolution. C'est déjà pas trop mal. Je pensais avoir plus clairement, mais bon, bah, la chance n'a pas été avec moi, tant pis. Là, on va juste attendre un petit peu pour la Sylvia. Je comptais l'augmenter, là, aujourd'hui, dans cette vidéo, je t'avoue. Mais on va attendre un petit peu parce que dans tous les cas là, ça va pas me débloquer vraiment. Donc on verra ça plus tard, c'est pas grave. Donc écoute, passez une bonne semaine et on se dit à plus dans une prochaine vidéo. Ciao ciao les gars!